Et yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fitz, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nous sommes sur Dragon Ball Legends et aujourd'hui les amis on va les tester ensemble, la team Cyborg dans le PVP de Dragon Ball Legends. Alors la team Cyborg va avoir plusieurs atouts et notamment le fait d'avoir le nouveau Cell parmi elles. C'est quand même assez incroyable que juste l'ajout du Cell a réussi à rendre cette team viable, alors que ça faisait un petit moment qu'on pouvait plus réellement la jouer par manque. Bah il manquait un petit truc, il manquait un petit peu de peps, puisque t'imagines bien que si là j'enlève Cell et qu'à la place je mets par exemple le C17 violet ou la C18 jaune, ça va pas être le même taf du tout. Donc je suis assez bien classé, tu vas le voir, la team est vraiment une très grosse team, hein. Genre vraiment ça marche bien, ça fait partie des meilleures teams du jeu actuellement. Je sais pas si c'est dans les 5 meilleurs, mais en tout cas c'est pas loin honnêtement, si c'est pas dedans, c'est vraiment une bonne équipe. Et on va se retrouver tout de suite pour la première game. Ok, première game les amis, nous sommes contre quelqu'un de très bien classé qui joue une team future, qui joue une team 10 camions un peu en fait, hein, j'ai envie de dire. C'est un peu une team 10 camions avec, ouais c'est complètement une team 10 camions même. C'est complètement une team 10 camions et c'est une petite baleine en face quand même, hein, parce qu'avoir Ultimate Gohan, Mirai Gohan 5 étoiles et le Gohan SSJ2 4 étoiles, c'est quand même plutôt fat en vrai. Donc là je pense que ça va être un match-up assez compliqué. Encore que on a la possibilité, parce qu'à mon avis il y aura sûrement le Gohan SSJ2 de le casser en deux avec la C18. Vraiment la C18 bleue les gars, c'est le moyen le plus efficace pour casser du Gohan SSJ2, vraiment genre. Parce qu'elle a l'avantage du type et le plus 40% de dégâts contre les métis qui fonctionne très bien du coup sur elle. D'ailleurs s'il y a Mirai Gohan en face, c'est exactement le même type de bonus qu'on a, hein, sauf qu'on n'a pas l'avantage du type. Mais du coup ça peut être bon à prendre pour nous aussi. Il joue avec une... D'accord, il joue avec une team... Ok, why not? Why not, why not? Ouais, il a vraiment pique de manière à me counter en fait, pourquoi pas. Alors j'aurais pu esquiver ici. Ah, ça lag. Il va devoir utiliser l'esquive déjà, ouais. Obligatoire. Obligé d'utiliser l'esquive déjà parce que ça fait juste trop mal en fait. Ça fait juste beaucoup trop mal ces 18 bleus sur... En fait ces 18 bleus vraiment si vous avez l'avantage du type sur votre adversaire, c'est... En termes de dégâts c'est assez incroyable. On attend le pas de côté qui a fini par arriver. Et on le blast ici sans problème. Ah, j'ai mis un petit peu de temps à strike malheureusement. J'ai mis un chouïa trop longtemps à strike là. C'est dommage parce que du coup là j'aurais pu avoir directement un putain d'avantage de ouf. Donc là il a temporisé pour empêcher la mise à cover de proc. Mais il a trop temporisé. Et c'est Ultimate Gohan qui revient, mais cette fois-ci mon petit Ultimate Gohan, t'as pas l'esquive de dispo cette fois-ci. Donc tu encaisses. Et ça touche directement. Il y a Zamasu qui va arriver, forcément. On est en train d'assez bien gérer le combat pour l'instant. Ah, là par contre il m'a bait. Il m'a niqué sur le coup. Sûrement Mike qui va faire son entrée là dans pas trop longtemps je pense. Qu'est-ce qu'il fait en face? Écoutez, moi c'est pas mon problème. Si je peux défoncer le Zamasu et qu'il me laisse le faire, ça me va complètement. Allez, on Rising Rush sur le Zamasu là, déjà ça nous permet de récupérer l'avantage puisque je l'avais perdu au niveau des esquives. Et surtout si je peux enfin enlever sa première barre de vie, ça pourrait être pas mal. Putain, coup dur là le contre par contre du Rising Rush sur la carte spéciale. Non, ça fait partie du jeu hein. Ça fait partie du jeu malheureusement. Et là il va Rising Rush. Non pas de Rising Rush. Il joue bien en fait, il fait exprès de tape-attaque comme ça. Il fait exprès de tape-attaque comme ça, c'est très bien joué de sa part. Là ce qu'il veut c'est que j'utilise mon esquive avec le sel. C'est pour ça qu'il attend comme ça. Merde ça c'est une régène de qui, c'est pas de la vie c'est vrai. Là il est juste en train de me jouer que moi sur les esquives. Il est en train de me défoncer complet. Et il va Rising Rush là je pense. Non toujours pas de Rising Rush. Là il est en train de me défoncer. Il joue trop bien pour moi là. Là il est en train de trop bien jouer pour moi clairement. Ok j'ai enfin réussi à l'attraper. Et là, j'ai pour lui mettre des bons dégâts en plus. Ok, Ultimate Gohan, je pense qu'il meurt là-dessus. Hein. Il a plus beaucoup d'HP, il me semble, Ultimate Gohan. Ouais, on va le sécher. Nice. Très très bon ça. Je vais peut-être réussir à lui enlever sa première barre de vie là. Au Zamasu. Voilà, ça aussi c'est très très bien pour nous. En plus de ça, on l'a bien caillassé directement derrière. Et je vais réussir à le tuer. Voilà, parfait. Parfait. Donc là, il va me Rising Rush le sel, hein, je pense. Voilà, il me stun pour être sûr de pas... que je puisse pas esquiver, c'est très bien joué. Il a même eu le temps de charger un petit peu de son ki. Alors, il a laissé une verte. Honnêtement, je vois bien une jaune partir ici. Et à mon avis, il va garder les rouges pour faire un max de dégâts avec... T'as pas trop le choix avec Mai. Et c'est la bleue qui part, ok. Alors là, ce qui nous donne potentiellement la possibilité de win, nous, de notre côté, c'est de s'auto-détruire avec C16. Ça peut être très bon pour nous. Et bah ça va être le move, hein. Ça va être le move complètement, même. En fait, je suis en train de penser, ça va pas me donner la victoire. Rappelez-vous de ce fameux random rush avec ce sucre. Ça va pas me donner la victoire. Je pense que... je pense, hein, si ça a pas changé, normalement, ça donne la défaite. Et je pense que lui aura la victoire. Je pense. Bon, en tout cas, c'était un match-up très très chaud. Je vous le laisserai dans tous les cas parce que le match-up était quand même super cool. Défaite pour moi et je pense que normalement pour lui, la victoire ici. Bon, c'est compliqué à savoir. C'était un match-up quand même super cool ici. Je vais vous le laisser parce que vous avez vu, malgré le fait qu'il a quand même bien joué, on a bien joué aussi. On avait un match-up de dingue, hein, complètement. Alors, bon, honnêtement... Je pense que j'aurais pu gagner, franchement. Il y a un moment où il a juste mieux joué que moi. Franchement, il y a un moment là vers le milieu de la game, il a mieux joué que moi. Au début, je jouais mieux que lui. Au milieu de la game, il a mieux joué. À la fin, on est bien revenu quand même. Mais malheureusement, ça suffit pas. Ça aurait pu le faire. Ça aurait pu le faire si j'avais pas perdu ma C18 en fait. Si j'avais pas perdu ma C18, ça aurait complètement pu le faire. Bon, je vous la laisserai parce que la game a déchiré. On se retrouve tout de suite pour une deuxième. Nouvelle game, les gars. Nous sommes contre une team métisse. Donc contre la team métisse, bah c'est la perfection pour nous avec la C18. Hein. C'est très certainement le match-up qu'on préfère. Donc il y aura sûrement... Ils peuvent pas s'en empêcher, les team métis, le Gohan SSJ2 rouge en face, donc en plus de ça, il va se dire qu'il va pouvoir counter mon sel. Vous allez voir le Gohan SSJ2 rouge, si on arrive à jouer et à imposer notre rythme de jeu, on va juste le dépop avec ses 18, ça va être... Ah, ça va être insane, les amis, vous allez voir ça, ça va être très marrant, je pense. Let's go. Donc le premier match, vous avez vu quand même, malgré le fait que la team en face était très solide et que ça jouait bien, on a quand même réussi à s'en sortir, hein, donc ça peut vous donner une idée, mine de rien, déjà de la team qui est vraiment... Elle est vraiment loin d'être mauvaise, l'équipe. Hein. Vraiment très très loin d'être mauvaise. Hop là, t'es mort. Bon là, il est obligé de mettre à cover. Hein. Il est obligé de mettre à cover avec son Gohan. Parce que sinon, bah, il est mort. Littéralement, on l'aurait buté, je pense. Hein. Ceci n'est pas une expression. Je pense vraiment qu'on l'aurait tué. Donc bon, bah, c'est un peu fort, quoi, forcément. Donc là, ici, on va pouvoir défoncer un petit peu le Gohan. Ça, c'est très bon pour nous. Il peut pas mettre à cover sur son Trunks. Hein. Donc là, pour l'instant, il est bloqué. C'est très 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 bon pour nous, même. On va utiliser ça pour régénérer un peu de ki ici. C'est un peu la hesse du ki actuellement. On peut laisser C16 hein, tanker sur Ultimate Gohan. Hein. C16, je rappelle, l'une des meilleures valeurs défensives du jeu. Donc autant te dire qu'il a pas trop peur de, des dégâts d'Ultimate. Ça passe quoi, on va dire. Surtout que l'Ultimate en face c'est pas vraiment boosté. Enfin bon, ceci dit, il m'a quand même mis, cher. Hein, ceci dit. Il m'a quand même mis relativement cher. Ici c'est le moment, je pense, de faire entrer... notre ami Cell et de bait, bien sûr. La cover sur le Gohan. Bon, ça c'était sûr. Hein. Là, il a la réduction vu qu'il est en mise à cover. Heureusement pour lui. Hein. Heureusement pour lui parce que sinon... Oh, ça touche. Je pensais pas que j'aurais touché. Bon, bah c'est pas grave. Il va esquiver. On va le défoncer en in-strike, je pense. Ah, il a eu le temps de switcher. Bah, heureusement pour lui. Hein. Heureusement pour lui qu'il a eu le temps de switcher parce que sinon il était mort. Bon, on est plutôt bien là. Hein. On est plutôt bien. On va pouvoir se faire plaisir encore avec la 18 sur Trunks là. Très certainement. Moi, s'il temporise, c'est parfait. Hein. Allez, il a bien joué là. Et là par contre je vais prendre cher. Hein. Là par contre je vais prendre cher parce que Trunks mine de rien en termes de dégâts, lorsque le main est activé c'est plutôt sympa. Bien sûr, cover sur Gohan. C'est logique. Je pense que j'aurais pouvoir le tuer là. Ouais. Ça va passer là avec les tapatacs j'imagine. Ah mais t'es sérieux, il va pouvoir profiter de sa putain de mise à cover grâce à ça là. Non c'est bon, il a fait de la merde. Il a fait de la merde, il fallait juste switcher sur le Gohan rouge ici. Je sais pas pourquoi il l'a pas fait. Ouh, le Rising Rush qui passe pas là. Le Rising Rush qui passe complètement pas là. Oh, ce que je vais lui caler un corps. Oh là 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 là, damn. On lui fait mal, hein. Là on est en train de lui faire très mal actuellement. Et c'est reparti, on pioche en ultime. Vraiment pas de chance l'adversaire et du coup il n'y a que Gohan. Bon, il va pouvoir nullifier l'avantage du type, donc ça sera un peu moins clair les dégâts de C18. Mais croyez-moi, vraiment C18 le défonce, hein, s'il n'y a pas le... S'il n'y a pas ce qu'il y a ici en l'occurrence, donc c'est-à-dire la nullification du type. Bon là, attention, hein, le Gohan il va avoir de quoi nous démonter aussi, hein. Il va avoir de quoi nous démonter aussi, complètement même. Ouais, je pensais pas qu'on aurait pris aussi cher quand même. Ok. Et nous ici on va pouvoir le finir tranquillement. Mais gentiment. Avec l'autodestruction, si on le tue pas sur les Kikoa. Bon, malheureusement on le tue sur les Kikoa. Ça aurait été marrant de se faire péter, mais bon, vous voyez, contre la team métisse. Et la team métisse, c'est quand même une team que vous allez croiser pas mal en ce moment, vu qu'il y a le Gohan SSJ2 rouge. Vous allez, mais tellement bien vous en sortir. Alors, à moins, à la rigueur, s'il y a deux verts, ça peut peut-être un petit peu compliquer la donne, et un corps. Lorsqu'il y a deux verts, le truc, c'est que vous n'allez pas pouvoir profiter autant de votre 18 bleu, qui est vraiment le pilier pour défoncer la team métisse, tu vois. Genre, mais Gohan SSJ2 rouge, pas du tout un problème, comme vous avez vu là. C'est limite, il peut pas le faire rentrer, en fait. Limite, il peut pas le faire rentrer contre un joueur qui pré-shot les mises à cover, parce que bah ça va faire trop mal, tout simplement, ça va faire trop mal. On se retrouve pour une troisième partie les mecs, et nous sommes contre une team Regen, donc la team Regen qui est certainement la team que vous croisez le plus actuellement sur le ladder. Dites-moi si vous êtes d'accord dans l'espace commentaire, mais je pense que c'est vraiment la team qu'on croise le plus. Donc contre la team Regen, on a un match assez serré à vrai dire, c'est assez chaud parce que le truc c'est qu'ils vont également bénéficier des mises à cover comme nous, sauf qu'ils vont pouvoir bénéficier éventuellement de Rising Rush plus rapide, et également potentiellement de plus de heal que nous. Enfin je dis... Ils ont plus de heal que nous, c'est sûr, même avec les mises à cover de C16, on peut avoir du heal, mais... Bon, bref, c'est un match-up assez chaud. Vous allez voir ça ici, de toute façon. J'aurais dû laisser Cell ici. Je sais pas pourquoi j'ai switché, je me suis dit qu'il allait peut-être mettre Bouillex, mais bon. Il y a quand même assez peu de chance pour qu'il mette Bouillex sur la cover, en vrai. Le pas de côté en face qui est fait, on sait pas pourquoi il pas de côté, mais bon, il pas de côté, tant mieux pour nous, hein. Hop. On cancel sa Kikoa. Je vais pas spécialement en profiter ici directement. Mais... Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait en face? Bon, ok, déjà obligé d'utiliser la TP. Il est pas dans sa game là. Il est pas dans sa game. Bah écoutez, nous on va en profiter, on va mettre à cover directement. Hein. Faut... Si vous pouvez mettre à cover avec C16, faites-le globalement. Faites-le. Si vous avez l'occasion de briser le combo adverse, il faut le faire, c'est tellement fort. En fait, c'est comme... Alors, tu as vu, justement, j'ai fait l'erreur. En vrai, tu brises pas le combo. En vrai de vrai, tu brises pas le combo. Mais c'est genre, tu réduis tellement que c'est presque comme si tu brisais le combo en vrai. Et c'est ça qui est très fort. Et là, on Rising Rush sur la mise à cover, on a rien à foutre. On a Cell, on met des dégâts de porc. Donc bon, ça nous fait pas peur, sa mise à cover. Au pire des cas, si on le tue pas, on va le laisser très bas. Si jamais il trouve... Il trouve pas, Piccolo est mort, bon là honnêtement je vois pas comment il revient dans la game. Je vois juste pas comment il revient dans la game, puisque nous, je rappelle, on a deux moyens de mettre à cover sur le Rising Rush, hein. On a le Cell qui peut esquiver et on a le tanking de C16. Donc autant vous dire que, enfin franchement là je pense qu'il va avoir du mal à revenir, mais bon, on va bien voir, hein. On va bien voir. Il n'y a que genre s'il a un timing genre de Rising Rush maintenant sur la C18 qu'il peut revenir dans la game. Et d'ailleurs c'est sûrement ce qu'il va faire. C'est sûrement ce qu'il va faire d'ailleurs, vu que j'ai complètement fail mon... J'ai complètement fail mon clash. Ah, après, il va peut-être tenter de... Ouais, non, il va pas me Rising Rush, du coup. Il va tenter le combo avec la mort, mais là, ça suffira pas, là. Ça suffira pas. Hop, on va lui mettre directement la torpeur, potentiellement. On lui a pas mis, malheureusement. Le pas de côté qui a fini par arriver. Vous voyez, franchement, la 18 en dégâts strike, c'est genre vraiment ok. Genre, littéralement, mais des très bons dégâts strike, la 18. Ah, malheureusement, je la pioche un chouïa trop tard. Je vais mettre à cover ici. On va pas s'embêter. On va pas s'embêter. Bon, on va prendre cher quand même. On va prendre cher quand même. Mais bon, je rappelle, hein, C16 qui se soigne, 50% des dégâts qu'il prend. Donc, même si on prend cher finalement, vu qu'on se soigne. C'est pas si impactant que ça, ici c'est esquivé. C'est esquivé, et ici bah c'est la mort hein, directement de Cell, et donc c'est la mort de la game pour l'adversaire même. Hein. C'est la mort de la game pour l'adversaire ici par conséquent. Vu que c'est impossible qu'il peut pas, c'est impossible, il peut juste pas me tuer en fait. Avec avec le bout il peut pas me tuer, c'est genre il peut pas. C'est pas possible. C'est limite comme s'il y avait un genre je sais pas, genre une ligne de passif, tu peux pas mourir avec ce personnage là contre un meuble. Et l'autodestruction pour finir le bout. Donc voilà comment peuvent se passer vos match-up éventuellement contre les teams régènes avec cette team. Écoutez, j'espère que la vidéo comme d'habitude vous aura plu. Je fais de mon mieux pour proposer un maximum de diversité sur DB Legends et de vidéos de qualité. Donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. Si c'est le cas, laissez le petit pouce bleu les gars. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Si vous souhaitez me soutenir gratuitement, allez faire un petit tour sur YouTube. C'est complètement gratuit pour vous. Et moi ça me permet de gagner quelques centimes d'euros. Un grand merci à tous ceux qui iront. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les frérots. Bye bye tout le monde.